Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans la fin de la méga-machine qui paraît au seuil, l'allemand Fabian Scheidler relie l'histoire de l'humanité sous un jour nouveau. Entre manifeste érudit et guide pratique contre l'effondrement, il nous invite, vous allez voir, à lever les blocages pour ouvrir la voie à un avenir plus équitable. Mais d'abord, le bal de l'actrice. La comédienne Valérie Dreville présente en ce moment « Danse pour une actrice », une pièce pensée pour elle par le chorégraphe Jérôme Bell. À voir jusqu'au 16 octobre dans le cadre du Festival d'Automne à la MC 93 de Bobigny, après Vidi à Lausanne et avant la commune d'Aubervilliers en novembre et la comédie de Valence en décembre. Celle qui a joué avec les plus grands metteurs en scène et les plus exigeants, d'Antoine Vitesse à Claude Régis, d'Anatolie Vassilieff à Alain Françon, se raconte aujourd'hui avec le geste et la manière. Elle est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table, Olivia Jesbert. Les principes de l'improvisation sont danser dans l'instant présent, ne jamais répéter des mouvements connus ou appris, ne pas attendre de résultats, accepter les accidents et les échanges. Expérience sans la juger. Bonjour Valérie Dréville. Bonjour. En prologue, quelques pas de danse classique, le buste droit, les pointes tendues, puis quelques pas de danse moderne, le dos s'arrondit se replie, on ne sourit plus. La danse est une discipline assez libre et aussi assez codifiée. Tout dépend. Qu'est-ce qui guide vous vos improvisations Vous venez nous donner à l'instant, on l'entendait, et c'est le cas dans la pièce, une leçon d'improvisation. Mais par quoi vous laissez-vous guider vous quand vous improvisez arrive dans le temps présent une sorte d'écoute en fait je crois que moi ce qui m'a intéressé euh, avec le travail du corps c'est finalement euh, le corps le travail sur le corps c'est entrer en contact avec sa vie intérieure avec son énergie propre euh, et donc c'est une tentative, l'improvisation, de rentrer en contact avec cette vie profonde. Parce que comme rien n'est répété, alors euh, c'est ce qui arrive, ce qui échappe peut-être même, ce qui vous échappe. C'est une sorte de rencontre avec, euh, avec l'être profond. C'est un dialogue euh, intérieur, un dialogue avec vous-même, un échange en tout cas, euh, d'où... L'absence d'artifice tout autour sur cette scène, euh, à la MC93 en ce moment, dans cette pièce, danse pour une actrice, économie de moyens, la musique c'est vous, la lumière c'est vous, le demander, le programme c'est encore vous. Ici, la représentation, elle est réduite euh, au minimum, avec un, un côté atelier de travail et le corps de l'artiste, hein, de l'actrice qui est là, qui danse. Quelle place pour le public dans ce dispositif Vous l'avez pensé comment, le public Où le public il est il est il est un partenaire euh, irremplaçable pour que le rituel du théâtre ait lieu le rituel du théâtre qui dépasse même l'histoire qu'on raconte qui est l'histoire de ce rituel dans l'instant présent qui va nous permettre euh, peut-être de d'atteindre une forme de catharsis ça veut dire que vous avez besoin de lui pour y parvenir ah oui j'ai besoin de, absolument de lui oui, oui pour, pour faire cette tentative cette expérience sous le regard de donc c'est un partenaire mais, actif mais sous le regard c'est presque un partenaire actif absolument absolument c'est un vrai partenaire c'est pas juste un miroir ah non surtout pas ou alors c'est un miroir euh, où on peut regarder à travers dans la profondeur danse pour une actrice il dit privilégier les imaginaires dansants sur la technique la modernité chorégraphique au répertoire classique c'est jérôme bell qui est le chorégraphe le metteur en scène presque de cette pièce à une actrice vous valérie dréville pourquoi avoir répondu à son invitation à l'invitation de jérôme bell euh, c'était c'était une une invitation de part et d'autre, mmh. je dirais. On s'est rencontré parce que euh, on avait beaucoup de choses à, à partager. Euh, Jérôme, euh, je crois a passionnément, toujours le cas d'ailleurs, il aime passionnément le théâtre. Euh, et moi, j'ai aussi une inclination très forte pour la danse. Donc voilà, on s'est trouvé d'une certaine manière. Il y a eu des circonstances, il y a eu des personnes qui nous ont rapprochés. Et puis après, on a fait le reste. Euh, et en effet. Euh, euh, en effet, on n'a on, on on a pas commencé à se dire qu'on allait faire un spectacle. On avait envie de d'expérimenter de, des choses, euh, moi du côté de la danse, le mouvement, le corps, lui du côté du théâtre. Et puis euh, on a cherché, on a fait une sorte d'atelier. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce spectacle, il ressemble à un atelier, mais c'est en effet le cas. Tout a commencé comme ça. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit que oui, on pouvait euh, partager cette expérience avec d'autres. Mais ça reste un atelier ça reste un, une recherche un, un essai une tentative et, euh, et en effet c'est lui c'est jérôme qui a conçu le spectacle euh... moi je dirais que <laughs> il y a plus d'inconnu dans ce travail que de connu mais c'est justement ça qui m'intéresse Parmi les personnes qui vous ont rapproché, il y a Claude Régis, grand metteur en scène, décédé il y a peu. On va écouter Jérôme Bell parler de cette rencontre à travers Claude Régis et ses mises en scène. Ça, c'est quelque chose dont, dont il faut parler, du, du, du travail du corps des acteurs chez, chez Claude Régis. Parce que souvent, moi, je vois plein de spectacles où j'ai l'impression que si je souffle sur la scène, ils vont tous s'envoler. À part, euh, moi, j'aime beaucoup les, les acteurs russes et les acteurs allemands qui travaillent, qui sont engagés physiquement, qui, enfin, qui pensent, qui mettent en scène leur propre corps. Et ça, on, on peut le voir, euh, je crois, chez tous les acteurs de, de Claude Régis. Ils sont là. Pas seulement avec, justement, le texte de l'auteur à faire, mais... Leur corps aussi est engagé dans ce travail textuel et théâtral. Je pense qu'on est beaucoup de chorégraphes à être des fans, c'est pas un hasard. Ça veut pas dire engager, faire des, des triples saltos mortales, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais d'être là avec, avec son corps, aussi avec son corps. Claude Régis, pour lequel et avec lequel vous avez joué, Metterling notamment, Fosse Claude Régis qui mettait en scène les corps, et ça c'est ce que nous rappelle bien Jérôme Bell, là où le russe Anatoly Vassiliev, autre metteur en scène avec lequel vous avez travaillé, est d'abord un, un homme de parole euh, dans Médé Matériaux, notamment ce monologue qui reprenait le, le mythe de Médé, on voyait la parole principal vecteur, incantatoire, ces deux écoles assez différentes. Euh, Qu'est-ce que Claude Régis, comment vous a-t-il appris, lui, à appréhender votre corps c'est difficile de parler parce que c'est tellement énorme. je ne sais pas par quel bout le prendre euh, parce qu'avec claude il n'y avait, de... avait pas de chemin tout tracé. Hein. c'était euh, comme une sorte de chemin euh, à tâtons comme ça. mais disons que ce que je pourrais dire c'est euh, l'écoute l'écoute avant le voir. Euh, il nous mettait à l'écoute, à l'écoute du silence, à l'écoute du corps à travers euh, euh, le, le fait de quitter le corps quotidien euh, et avec beaucoup de patience. Voilà, parce qu'avant de vraiment trouver une autre forme d'existence, il faut du temps. Euh... Ça se travaille en fait, une présence oui ça se travaille euh, et chez lui c'était très euh, c'était très clair dans le fait que ça se travaille pas en ajoutant mais en retirant en se retirant en fait et voilà pour moi claude il est vraiment aussi en tant que metteur en scène euh, la personne qui incarne le plus celui qui disparaît en fait Danse avec une actrice dans cette pièce, justement, c'est le corps hein, qui, qui est mis en scène, c'est le corps qui danse. Et on n'a pas on n'a pas à 58 ans le corps qu'on a peut-être à, à 16 ans. À 16 ans, quand vous euh, vous vous rêviez danseuse, Valérie Dréville. Mais ce qui est sûr, c'est que ce corps-là, on l'habite avec les années, autrement aussi. Euh, qu'est-ce qu'un corps d'actrice en fait Comment vous le définiriez Qu'est-ce que le corps d'actrice, puisque c'est une actrice que Jérôme Bell a voulu euh, chorégraphier dans cette pièce, qu'est-ce que ce corps a de spécifique bah... Je pense que... Ce qui différencie une danseuse d'une actrice, c'est que l'actrice, du point de vue de son savoir-faire, euh, n'a pas de technique. Par contre, euh, elle a une forme de technique de... qui a qui a trait qui a À voir avec le processus euh, de l'arrivée des émotions, euh, une sorte de connaissance intérieure de du chemin qui mène à l'émotion, parce que l'émotion c'est complexe parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, hein. ça marche pas à tous les coups, euh, mais en tout cas, c'est une forme de. de c'est comme une sorte de mode de vie. Hein euh, voilà. Donc je crois que c'est ça qui intéresse euh, Jérôme. Euh, c'est de voir comment une actrice s'empare de la danse avec euh, cette, euh, cette aptitude, on va dire, sur euh, le, le territoire des émotions, de, de, des affects. Et moi, j'ai remarqué euh, au cours de mon expérience que dès que je faisais une pratique physique intense, euh, la mémoire du corps s'activait. C'est comme un éveil. Et je pense que le corps a une mémoire extrêmement ancienne et qu'on peut lui faire confiance pour euh, exprimer des choses qui sont absolument inexprimables avec les mots. Il y, y, y a une limite au langage euh, que le corps dépasse. J'en suis convaincu. Le corps a la mémoire longue et la danse aussi. C'est le point de vue du chorégraphe Boris Charmatz en l'écoute. Bon, déjà, on croit que la, la danse est éphémère. Et c'est vrai que, bon, il y, y a cette légende et c est, c est, c est, ça repose sur quelque chose de réel. C'est que on danse un soir, mais le lendemain, le geste s'est transformé. On a vieilli, la situation est différente. C'est pas le même geste, c'est pas la même oeuvre. Donc chaque geste est unique. Oui. Oui, mais on continue de danser Isadora Duncan. Oui, mais les œuvres de Forsyth sont jouées depuis 40 ans. Oui, mais il euh, y a un mais, un gros mais. Euh, et en fait, euh, la danse a une histoire, a de la mémoire. Le... On n'a peut-être pas de musée. On, avait, on a fait le musée de la danse, mais il y a très peu de musées en danse. Mais en fait, le corps des danseurs, c'est un musée, c'est un lieu d'archivage, c'est un lieu de mémoire, etc. Donc, euh, c'est plus compliqué que ça. Voilà la... La star du festival d'automne, ce, celui à qui le festival a consacré, consacre cette année un portrait, après Jérôme Bell d'ailleurs, c'est Boris Charmatz qui était l'invité de la grande table le mois dernier. Vous êtes, allez-vous puiser Valérie Dréville dans cette mémoire, cette mémoire longue qui est la vôtre et qui est nourrie mais de quoi Pas simplement de vos années de théâtre, de votre pratique euh, du jeu, euh, de votre vie aussi à vous, de votre euh, corps de femme euh, également, pas simplement de ce corps d'actrice, de votre corps de femme de 58 ans, de tout ça. C'est toute cette mémoire-là qui ressurgit dans un moment comme celui-ci. Euh, Boris Shermatz l'a cité, euh, Isadora Duncan, et... J'ai lu son livre cet été, elle parle du fait que toutes ses chorégraphies, euh, c'est sa vie, elle danse sa vie. Et ben, je pourrais dire que ce spectacle, peut-être encore plus que les spectacles de théâtre que j'ai pu faire où j'ai joué des rôles, je le sens très fort. Ça n'est rien d'autre que ma propre vie. Et votre vie, elle est nourrie aussi, on l'imagine, de toutes ces héroïnes que vous avez incarnées, en partie sur scène, surtout sur scène, surtout au théâtre, Nina dans la Mouette, puis Arcadina, la Phèdre de Racine, Médée, qu'on évoquait à l'instant. Elles vous ont transformé, ces héroïnes, au fil des années Ah oui, certainement. C'est très difficile de savoir où tout ça s'est déposé. Un rôle, c'est comme une sorte de valise qui se, qui se déverse dans votre propre vie. Alors après, qu'est-ce que ça devient Mais quelquefois, je les, je les sens. Elles se discutent entre elles aussi. Euh, et elles m'aident à continuer. Euh, c'est très étrange. Euh, quelquefois, je me demande qui je suis, moi, au milieu de tout ça. Euh, mais en même temps, elles... Le, le travail sur l'autre euh, me révèle à moi-même. J'ai besoin de, de cet autre. Là, par exemple, dans le spectacle Danse pour une actrice, mes personnages, euh, euh, ce, sont des... ce sont des personnages qui ont réellement existé, des chorégraphes, danseuses, et, et c'est pour toujours ce lien que je... Travaille actuellement avec ces personnages, ces personnes. Euh, je. Je ne sais pas de quel ordre c'est, mais. Voilà, elles sont avec moi. Ou je suis avec elles. Avec elles ou face à elles Parce que dans. Cette pièce, met des matériaux euh, que vous avez beaucoup joué. Vous aviez choisi de la reprendre, de la recréer, plutôt, il y a trois ans, au TNS euh, à Strasbourg. À ce moment-là, vous avez consigné vos choix, vos impressions dans des journaux de répétition, écrits au jour le jour lors de cette recréation. Et un livre apparu chez Actes Sud qui raconte cette aventure-là, euh, Face à Médée, journal d'une répétition. Pourquoi ce Face Peut-être c'est un choix d'éditeur, mais, mais est-ce que vous l'avez validé Est-ce que vous mettez toujours vos personnages en vis-à-vis euh, Est-ce que c'était propre à ce rôle-là? Non, je pense que c'est propre à ce rôle. Euh... Comment dire? Euh... Vous avez dit tout à l'heure que hum, le travail sur mes matériaux passe par le canal de la parole. Euh, il y a une, une forme d'incarnation, euh, mais en effet qui passe par la parole, par le verbe. Euh, L'action est dans le verbe. Euh, ça demande une exactitude euh, très forte. Euh, et dans ce cas-là, oui, euh, ce, ce travail passe par quelque chose qui est devant moi, pas à l'intérieur, vous voyez, euh, et même dans la grande distance. Donc, en effet, euh, ça s'efface plutôt. Mais ça veut pas dire que je n'incorpore pas, que je ne l'incarne pas d'une certaine manière, mais c'est plutôt le résultat d'un processus et pas le, et pas le départ. On a parlé d'Isadora Duncan et vous l'interprétez, un fragment en tout cas d'une de ses danses, dans cette pièce de Jérôme Bell. Il y a aussi une pièce de la chorégraphe et danseuse Simon Forti, américaine, d'origine italienne, et deux autres de Pina, de Pina On l'écoute. toi aussi Oui, tous les deux je pense qu'il y, y a quelque part des gens so chez lesquels je sens qu'ils sont tiendes si, tiendes si tiendes sensibles tiendes et si, si forts que leur tendance est au fond tiendes triste tiendes triste tiendes et dans, et dans la tendance n'est pas quelque chose de superficiel. Mais le travail ensemble est souvent très difficile. Mais d'une certaine façon, j'aime ces gens. Mais souvent, ils pensent que je ne les aime pas, que je les rends laids. Et moi, je pense que je les rends beaux. Parce que pour moi, beau, ça veut dire honnête. Ça veut dire quelque chose d'intérieur, profond. C'est très différent. Ça se frotte, ça se contredit. Et je pense qu'ils m'aiment quand même. Parce qu'ils vont toujours plus loin. Valérie Dréville, est-ce que pour vous aussi... La question de l'apparence se pose quand vous dansez ou quand vous jouez, de ce que l'on voit de vous, de cette beauté que vous pouvez dégager. Cette question de l'apparence, est-ce qu'elle compte Non, non, la question de l'apparence, elle, elle compte pas. Ça, 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 ça concerne le public. Moi, je n'ai pas à, à réfléchir à ça. J'ai suffisamment de travail <laughs> pour... À autre chose, j'espère. Euh... Plus, plus je suis occupé à quelque chose d'impossible à faire, mieux c'est pour moi. Et comme ça, je ne pense pas à tout ce qui va me détourner du vrai travail. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je, je, je n'ai pas à m'occuper du résultat. Et le résultat, ce n'est pas mon affaire. Ni l'apparence, ni le résultat. Euh, je dois être au travail, c'est-à-dire je dois chercher quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. Vous voyez Vous avez dû commencer à trouver pas mal de choses, puisqu'aujourd'hui, entre autres, vous donnez des cours, des master des masterclass pour des, des, des comédiens ou des comédiennes apprenties. De tout ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous cherchez surtout à transmettre Parce qu'en plus, ce qui est particulièrement intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes passé. Un peu par toutes les écoles, hein. on, on parlait de celle de Claude Régis comme de celle d'Anatoli Vassiliev, qui sont deux écoles différentes. On pourrait évoquer celle de Christiane Loupa et celle de Thomas Ostermeyer avec son, son storytelling, cette méthode qui permet d'ancrer le jeu aussi dans la biographie des, des personnages. Vous, qu'est-ce que vous cherchez essentiellement à transmettre à cette jeune génération D'abord la confiance. La confiance, ça paraît... Euh... Un peu simple, mais c'est la base. Et puis l'autonomie, je dirais, c'est-à-dire que l'acteur trouve pendant le temps de ses études et plus tard aussi, même si c'est plus difficile parce qu'on est soumis à des contraintes justement de résultats, de résultats, de légitimité, de etc. Euh, trouver dans le temps de l'étude de, de, de la formation suffisamment d'outils pour pouvoir travailler seul parce que je pense que le le ben disons 80% de ce que fait l'acteur sur scène c'est lui qui le qui l'amène de chez lui c'est son rêve c'est pas le metteur en scène qui va vous qui va vous vous indiquez votre rêve, il va, il, va il va vous donner des stimuli pour que ce rêve grandisse. Mais le rêve, c'est l'acteur le... qui, le, qui le forme en lui. Et... Être autonome, ça veut dire ne plus être aussi dépendant euh, du regard du chorégraphe, du metteur en scène. C'est la chorégraphe Gisèle Vienne qui nous disait et se demandait. Pourquoi dans les écoles de danse, aujourd'hui, on apprend encore aux danseurs à se soumettre à à l'autorité extérieure, celui du chorégraphe euh, notamment, au lieu d'apprendre à, à s'écouter soi-même, euh, d'apprendre à avoir confiance, comme vous l'évoquiez, euh, que ça, c'était c'est des perceptions qui doivent changer. Et on imagine que ce sont des questions que qui se posent aussi euh, ou qu'on vous pose aujourd'hui hein, aux jeunes femmes, aux futures actrices. Depuis #MeToo, c'est vrai qu'on est sorti un peu de l'omerta. Euh, encore récemment, au Conservatoire de Rennes, euh, il y a des agissements déplacés qui ont été révélés par des élèves. Par un professeur de, de théâtre, mais est-ce qu'au cœur de ces questions-là, euh, il n'y a pas celle du, du regard et de la dépendance euh, au, au regard du, du metteur en scène La question aussi de la maîtrise et du contrôle euh, des corps, oui, c'est certain. Bon, en travaillant avec Jérôme, il euh, n'y a pas tellement de danger de se retrouver dans cette situation parce que c'est quelqu'un qui, justement, politiquement, euh, milite pour l'égalité. Donc, on est vraiment, même si c'est lui le, le chorégraphe et si c'est lui qui, qui a conçu le spectacle, on était vraiment dans un dialogue d'égal à égal. Donc, ça, c'est très. C'est très. Enfin, euh, c'est un grand soulagement. Hein. Mais euh, bah je pense que ce problème de, de hiérarchie, euh, il existe. Euh, il existe dans la société même, comme vous dites. Euh, et c'est aussi euh, à chacun de trouver comment s'émanciper. C'est un travail intérieur. Comment je fais Même si ça existe, comment je fais Et c'est un peu au jour le jour parce que. Il n'y a pas de. Il a pas de recette toute faite, quoi. Vous, vous avez trouvé S'émanciper <laughs> définitivement. On a aussi nos propres euh, clichés. Euh, comment dire euh, représentation qu'il faut réinterroger c'est aussi un travail intérieur hein. c'est aussi euh, c'est pas que diriger vers les autres c'est aussi diriger vers soi c'est un combat quelquefois mais ça fait partie du travail euh, du travail de, de la personne je dirais avant même celui de l'artiste l'émancipation la recherche de la liberté hein. Individuel. Merci beaucoup Valérie Dréville d'être passée autour de cette grande table, Danse pour une actrice chorégraphiée par Jérôme Bell, pour vous et avec vous, et d'avoir en ce moment sur la scène de la MC93 à Bobigny, avant une tournée. Merci à vous et c'est dans le cadre du Festival d'automne.